Moi aussi. Ouais, moi je laisse Judo Crack contre Muna, c'est vraiment intelligent ça. Après tu me diras, je l'ai fait projection et je l'ai envoyé en dehors. En train d'affronter les dresseurs. Ouais, l'infirmière, je l'ai affrontée parce qu'elle était sur ma route. Ah, je vais devoir la réaffronter du coup. T'es pas obligé, tu peux la raffronter. Même si je veux qu'elle me heal. Ah ouais. Ça me bute cet aspect que je fais fuir le Pokémon en boucle avec projection. Drusil. 765 d'XP, ça donne. Non, mais oui. Combien? 765. C'est big. Oh non, quoi? Il a blabla dodo sur son Muna. Ah non, je suis en train de me faire scam. C'est quoi cette tech de dégénéré? Ouais, bah, je vais le laisser mourir. Je te craque, ça sert à rien. Je vous tape mes pépés de production. Hein. C'est quoi cette tech de fils de pute? Il a blabla le bladoudou et il a fait. Il a fait hypnose avec blabla doudou. Oh, il a quasiment pris un niveau complet, mon Nodulite. Quand je lui ai dit que ça ralasse en XP, c'était pas pour me foutre de ta gueule. Vas-y, je laisse son Muna tuer mon Nodulite, comme ça c'est mon Flotajou qui va prendre l'XP du Muna. C'est vrai que je peux faire Scrunch avec Flotajou. C'est marrant, le Muna il rapporte pas autant d'XP que le Non Mais Oui. Ouais, mais oui. Non Mais Oui, le Pokémon indécis. Ah oui, elle a des plantes. Oh bah par contre, on cherche un caraclé si tu peux éviter de refaire tous les combats maintenant. Tu rattraperas une petite zone de XP plus tard si tu veux, mais. T'es obligé de lead Zébibron pour chercher du caraclé, puisque les autres ils se font tous sous speed alors qu'ils ont 10 niveaux d'avance. Ah, c'est pas nice. J'ai pas à comprendre quand il y a un cavalier squelette qui va spawn en bas de chez moi. Oui. Il faille pas avoir là. Frère, il y a des éclairs perma, c'est normal? Bah j'ai le même chez WAM si tu veux savoir. Alors on a presque l'impression que c'est un mec genre qui s'amuse à faire aller ses phares, mais même pas. C'est perturbant.
Ouais, bon, la horde de tritons de... Ouais, super. Ouais. La horde de charpentis, là. T'as pas pris un petit leurre, je suppose, pour essayer de le... Non. Judo crack, c'est pas le bon. Il y a une arène combat, je parie, dans tout ce merdier. Non. Y'a pas d'arène combat ? Y'a un conseil 4 combat. Ah. Ça veut dire que le gars, il doit avoir judo crack, caraclé, beto chef. Oui. Ça ou queen. Mais je sais plus si je tourne derrière. Les types qui sont forts contre combat, c'est psy, vol, et c'est tout. Croix, ouais. Ça avait pas beaucoup d'options. Je tombe que sur des putains de poissons. Des tritons, des charpentiers, tout ça, tout ça. Putain, mais... J'aimerais bien inventer. Je tombe sur des dans l'aventure. Je tombe que sur des judo crack. Oui, bah toi tu tombes au moins sur un des deux, moi je tombe sur aucun des deux. Tu crois que Red dans son équipe il pourrait avoir un judo crack? Qu'il est rouge? Ouais. T'as le jeu qui fait un flash quand tu te fais aggro, on dirait l'orage de dehors. Imagine il fait un flash alors que c'est pas ta queen. Pas mal, pas mal. Oh, c'est long sa mère. Ah mais frère... Je veux pas en jouer un, moi il est pas si bien que ça mon judo crack. Non, j'en ai. Pour l'instant, j'en ai trouvé aucun qui vaille la peine d'être joué. Soit il a des stats de brin, soit il a une nature de brin, soit les deux en même temps. Faire foutre qu'il n'y en ait aucun de nous deux qui ait trouvé de caraclé du tout encore. Et si on en avait pas déjà vu quelques-uns la dernière fois, ce serait à croire s'il n'avait pas du tout sur cette liste. Mais par contre tu trouves que des judo crack toi, ça m'en... Ouah sa mère. Ouais. Ouais, c'est un truc de fou. Quoi? Oublé. Mais ouais, genre y a de la grêle et tout, c'est le déluge. Y a de la grêle et tout, c'est le déluge. Je sais pas si c'est pareil chez toi, Adrien, mais genre chez moi c'est fou le déluge là. Alors moi il y a de l'orage de zinzin, mais il n'y a pas de pluie ou de graines ou quoi. Bah là, moi, on est passé à random éclair par-ci par-là, à the...
giga pluie sa mère. Ah ça va arriver chez WAM sûrement. Giga pluie, j'ai vu des petits grêlons sur ma fenêtre. Ah y'a un truc qui me gaffe, c'est que quand je lis de flottage joue, je peux pas fuir à tous les coups. Genre j'ai pas pu fuir c'est le. Moi c'est pour ça que je lis de Zébibron, hein, tant pis. Ah le truc qui m'embête c'est que Miradar il a le truc regard vif et lui peut-être ça peut me baiser. On en avait parlé la dernière fois. Et ton Nodulite tu peux pas fuir non plus. Nodulite t'as pas idée comment c'est l'en gros. Hein. Non j'ai pas idée, je te mens. Bah disons que la version évoluée du bordel a 25 vitesses de basse stats. Sinon si tu veux je te prête mon point chien pour lead avec. Juste le temps de chasser. Ouais au pire ouais. Enfin attends, parce qu'il a une. Faut voir les stats parce que je te dis ça mais. C'est vrai qu'il a IV vitesse 0 donc il est pas très rapide hein. Il a 32 vitesses mon flottajou. Ouais bon ça sert à rien que sur mon bon chien il a 30. Il a 32 de vitesse. Mon Miradar 56 et mon Nodulite. Ah c'est les EV que t'as regardé sur ton Miradar. Ah merde. Mon Nodulite il a 11 de vitesse. Oh le 11 de vitesse. Il a 49 de vitesse Miradar. En vrai, pour un bien, je pense qu'il faudrait que Flottajou prenne un level. Juste un level. Peut-être que ça me permettrait de fuir à tous les coups. Je suis allé faire un dresseur pour que mon Flottajou prenne un level. Un peu de vitesse en plus, ça lui fera pas de mal. M'en bats les yeux tout. En vrai l'orage dehors c'est pas rassurant hein. Pas peur Vincent, tu veux un bisou? Ta gueule. Un venipat. Je crois qu'il y en a dans cette zone. Bah en tout cas quand j'ai regardé le Winter Soul j'en ai pas vu. Ah oui elle dans la forêt juste après oui. Oh le bruit, il m'a atomisé les oreilles. Non mais frère, on n'a pas vu un seul caracler depuis tout à l'heure, faut aller se faire en les huc. Hein. Ouais. Faut aller se faire caracler huc. Ouais, pas au pof. Honnêtement, c'est bien parce que avant 4 arènes, on peut pas acheter de Pokémon parce que je regardais déjà des caraclés sur le marché. Hein. Mes frères, les hordes de Pochijon, il y a un moment, faut les faire en ligne. Je trouve ça un peu nul qu'on puisse pas acheter de Pokémon avant. Genre, soit nous, on a envie de faire le truc à notre sauce, que c'est grave. Ouais, ils veulent éviter que les gens ils full speedrun bêtement le jeu. De toute façon, on peut même pas avoir le légendaire, donc. Enfin, si on peut en avoir, mais dans des cas particuliers. Allez, prends un niveau. Ouais, niveau 20. Bon allez, reviens à la chasse maintenant. Pendant tout ce moment où t'as fait des combats, je n'ai toujours pas vu de... S'il vous plaît, on demande qu'à racler. S'il vous plaît, on demande Caraclise. Putain, je tombe sur un judo crack. Quatrième judo crack depuis le début, hein. Pas un seul caraclé. Ça rend fou. Un seul judo crack, zéro caraclé. Je finis par croire que caraclé est même pas. Bah, je pense qu'il veut pas venir parce qu'il a vu comment tu traitais tous ses copains. Deuxième judo crack. Ah, par contre, les charpentiers, les poichijons et les tritons, ça va à tranquille. Hein. En vrai, il y a un moyen
pas trop difficile de contrer les Pokémon de type combat. Tu prends un Pokémon Spectre qui peut taper sur autre chose que Ténébreux Spectre. Ouais, c'est vraiment simple. Ténèbres, c'est... Spectre, c'est neutre sur combat, non? Non, Spectre, ça touche pas combat, si. Je crois que c'est neutre, hein. Peut-être, je sais pas. Spectre touche combat, il touche pas normal, mais il touche combat. Hein. Ah ouais, peut-être. Ah, oh, premier caraclé. J'ai trouvé un cinquième Phytocrack, j'en ai pas. Premier caraclé. Avec sa posture de gardien de but bizarre, là. Waouh, il a pété fort, celui-là. Il a pété fort. Bah, l'éclair. Ah ouais. Ça m'oblige à tuer le pochillon qui est à côté, hein, comme si j'avais pas déjà assez d'XP sur mes Pokémon. J'ai pas raté mon hypnose. Oh, je mets si peu de dégâts. Un caraclé, enfin! Oh, évidemment, il s'est réveillé, ce bâtard. Un caraclé, il a one-shot mon Zemiro! Il doit pas avoir une attaque de pitre, hein, vu les dégâts qu'il vient de mettre à mon Zemiro. Oh, fils de... Je suis pas sûr de pouvoir t'affaiblir encore, donc rentre dans la bolle. Oh, frère! Je pense que je te tue si je t'affaiblis encore. Oh, faut aller se faire enculer. De l'affaiblir encore. Mais je pense qu'il meurt. Hein. Ah, PV. Combien il a? Oh, il a littéralement un PV là. Un PV endormi, si on rentre pas dans la première ball, sa mère, c'est la reine des putes. Mais j'ai déjà mis 4 balls pour lui, là. Ok, je préfère ça, caraclé. Alors, il a quoi comme stat? Ouais, tu peux capturer le tien. C'est un pitre? Il a une augmente, plus attaque spé, moins vitesse, 10 de vitesse, 0 d'attaque. Pas mal. Oh, par contre, prévention, ça protège contre les balles ou... Oh, ta mère rentre. Ça fait déjà un quart d'heure passé, on est en train de chasser du caraclé, on a trouvé un chacun. Il tremble même pas le tien. Le problème c'est qu'il lui faut un statut pour rentrer, j'ai l'impression.
Le nombre de fois où j'en ai fait rentrer un premier coup sans problème. Et bon, ouais, j'espère que c'est un turbo crack au moins. Non, c'est un crack. Eh, le tir debout qui lui enlève genre 3-4 PV là, tout cassé là. Je suis même pas sûr que ça lui enlève. Hein? Pourquoi je peux pas le taper? Pourquoi je peux utiliser de ball? Parce que t'as pas de deuxième Pokémon dans le combat et du coup ça fait bugger le combat double. Quoi? Ouais, je vais te mettre des pièges de rock du coup. Mais je crois que tu pourras pas le capturer du tout du coup. Quoi? Non! C'est une plaisanterie! T'as pas de rappel? Non, t'as pas de rappel. Le jeu, c'est vraiment de la merde. Oui, Pokémon MMO, je pense que c'est de la merde globalement pour faire ce qu'on veut faire. Il y avait un meilleur moyen de faire ça. Mur de fer, il s'est pris pour Thiago Torres, ce fils de pute. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de ça, sérieux? Ah. Le truc, je demande considérablement ma défense, parce que j'en ai vraiment besoin. Bon, je vois pas l'intérêt. Non mais c'est un délire. Il a une attaque de zinzin, Karakuy, vraiment. T'en as trouvé un autre? Oui. C'est Karakuy, one shot mon Zébibron. Donc là j'ai trouvé un judo crack. Ok, je veux dire je vais pas réussir à fuir, ça va. C'est affaibli pour moi, mais bon. Oh, il a déjà point karaté celui-là. Il a des bonnes stats? Je sais pas, je l'ai pas encore capturé. Mmh. J'ai l'air de trouver un peu plus de caraclé dans les pixels d'herbe où je suis, moi. Parce que j'en avais trouvé aucun en haut, et là je suis sur les pixels en bas sur le côté là, et. C'est déjà le deuxième que je trouve. Ok, ok. Peut-être que dans les chaque pixel a pas le même taux d'apparition. Oh, c'est bon, frère. Je peux pas t'affaiblir. Oh, l'armée de charpentier. Non, bah, pff, frère, je vais vriller vraiment. C'est vraiment de la merde, hein. Il veut pas rentrer dans une balle à moins d'un quart de point de vie endormi. Il est dans le rouge ou dans le jaune? Je vais mettre un smic dans la capture. J'ai encore trouvé un caraclé par deux. Ouais, j'en ai trouvé un tout seul pour une fois. Et il va réussir à sweep mon équipe, ce con. Enfin! Putain, 5 balls pour un caraclé. J'avais 10 balls en venant capturer des caraclés. J'ai déjà utilisé 9 balls. Oh! Tu n'as pas une mauvaise nature, tu vas pas me faire chier, tu vas le jouer. Ok, prends celui que je viens de capturer, honnêtement. Il a pas une vitesse de dingue, mais il a des bonnes stats globales. Il a une bonne attaque et il a une nature plus attaque. Si le tien que t'as là, il est pas bon, prends celui que j'ai. Ok.
Parce que là, il a 26 en attaque. Il a 11 en vitesse. Effectivement, c'est pas beaucoup, mais c'est pas comme s'il avait 3, quoi. Et après, il a genre 29 en défense, 21 en défense P, 14 en PV, c'est correct. Et il a une nature plus attaque, moins défense P, donc c'est très bien. Ok. Je pense que globalement, il est vraiment jouable. Et il est déjà niveau 17. Je peux pas faire mieux, honnêtement. A voir si celui que j'ai, c'est un champion ou pas. Bah, si tu peux le capturer, parce que si tu kills quelqu'un, tu l'auras pas. Hein. Maintenant, t'aurais dû acheter des Super Balls pour capturer des Caraclés, parce que la Pokéball, ça rentre pas bien. Et genre, la dernière fois, ça rentrait pourtant, genre, ça me fume. Bah, sans statut, ça a vraiment du mal à rentrer. T'as eu de la chance les fois où c'est rentré. Allez, soit un champion. Tu vas voir que je lui ai trouvé un bien, il va en trouver un meilleur sur le dernier qu'on va chasser. Bon, déjà, il a une bonne nature, lui. Ouais. Oh, il aurait pu être zinzin, celui-là. Le tien, il a combien en attaque, t'as dit? 26. Et il a une nature plus attaque, donc il tape vraiment fort. Mais il a une nature en plus en speed. Le mien, il est plus rapide, du coup. Il tape un peu. Il est plus rapide, mais je pense vraiment que tu veux que Caraclé one-shot ses adversaires. Hein. Ouais. Enfin, ouais, c'est dommage, c'est le 31, il est en attaque au lieu d'attaque spéciale, c'est un banger. Bon, j'en veux pas de ton Caraclé. Pour pas que je confonde. Tu peux mettre des Pokédollars avec, hein, pour les Pokéballs investis. J'ai dû en acheter beaucoup des Pokéballs. Oui, mais j'en ai plus à cause de toi. Allez. Tu vas aller faire ton combat contre N. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ah, quoi qu'il reste des combats à faire là-bas quand même. Ouais, les faire. Ouais, vas-y, go faire le combat ici. Alors, on refait pas les combats qui ont déjà été faits, mais on va faire les combats qu'on a jamais faits. Hein. J'aurais pas dû switcher Judocrack tout de suite. Il a double pied, deux coups de pied qui frappe deux fois l'ennemi. L'ennemi est frappé violemment, toute critique élevée. La double pied, c'est mieux que point karaté pour le coup. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Faut être la troc pour avoir la balle à droite ou pas? Enfin, pas celle à côté de l'infirmière, mais celle ici là. Ah, je sais pas. Je crois pas, non. Non, non, il faut pas. Ok. Il y a deux combats à faire ici. Oh, on va enfin pouvoir avancer dans le jeu. Après 30 minutes de chasse de carré. 30 minutes, t'es gentil. À 30 minutes aujourd'hui. Ouais. 1h30 minutes, je veux dire. Ça me fume parce qu'il a prévention et puissance. Est-ce que tu considères puissance comme une attaque de placement? Ouais, ça augmente que ton taux de critique, ça veut pas dire que tu vas crit au prochain attaque, c'est pas un dingue ça. Parce qu'en vrai, il marque puissance, ça augmente les taux de coup critique, et point karaté qui a un taux de critique élevé, donc ça veut dire que t'aurais genre. Quasiment un crit garanti à chaque fois. Là, tu me régales. Il va prendre Vendetta alors qu'il est super lent et qu'il se fait outspeed par tout le monde. C'est magnifique. Au moins, il est cohérent dans son gameplay. Il a un one shot avec Vendetta. Ouais, il y a deux combats à faire et la balle à récupérer. Ah, c'est peut-être pas un combat d'ailleurs, le. Le karatéka là. Ismaël m'envoie un charpentier. Charpentier niveau 16. Est-ce que mon karaté niveau 17 sera. C'est quoi le bandeau qu'il m'a montré là? C'est un bandeau. Et
Il a montré comme si ça avait l'air d'être un d'avoir un intérêt. Karateka Ismaël. Ouais, ça va, il a que 2 niveaux de retard sur mon judo crack, ton caraclé. Sur mon judo crack, je l'avais trouvé bas level. Je crois que je l'ai eu niveau 14. Il est niveau 20, ton judo crack ? Ouais. Pour la reine, je vais essayer d'utiliser un maximum Zébiberon et judo crack. Au coup prochain, il a... Attends, on peut déjà utiliser Clatroc ? Bon, ça on peut utiliser Clatroc. Bah, il faut croire que le. La première arène nous donnait. Nous autorisait à utiliser Clatroc. Tu vas, mais sur qui toi du coup? Sur Flamoutin? Flamajou? Bah, Flamajou, je le joue pas. Ouais, mais c'est ton. Ouais, mais si tu dis qu'on peut l'utiliser. Bah, je sais pas si j'utilise un C-esclave en vrai. Je sais pas si j'ai spécialement envie d'apprendre Éclatroc à quelqu'un dans l'équipe. Bah, après, normalement, tu peux le remplacer facilement là. Ouais. Alors, je l'apprendrai surtout pas à Miradar pour le coup. Ouais. Toi, tu l'apprends par principe sur Caraclé parce que ça reste l'attaque stabée et c'est logique. Là, ce qui est chiant, c'est qu'après, c'est une attaque, c'est chiant de s'en débarrasser. Je pense que je vais aller chercher un. Je vais le mettre sur un rat attentif et je vais prendre un rat attentif un peu C-esclave pour le début. Je sais pas s'il l'apprend en rat attentif. C'est pas parce que Miradar l'apprend que Ratentif l'apprend. Je vais checker ça tout de suite. Mais bon, t'as déjà assez de retard, est-ce que tu vas aller en plus me faire chier aller chercher un rat? Ah non, Ratentif apprend pas avec la troc. Non, c'est bien ce que je semblais. Bah écoute, de toute façon, à un moment donné, on aura des singes sauvages, je capturerai un singe, et puis c'est tout. T'en peux pas passer là, sérieux. J'ai 4 caraclés au PC et 12 Zébiberons. Zébiberon, je trouve ça mignon comme nom. Oh le Zébiberon. Vas-y, envoie-moi ton Zorua contre mon caraclé. Ah, que ce soit Zorua, Chakripan, ils se font défoncer. Il a un Chakripan, je sais plus. Ouais. C'est vrai qu'il y a quand même 4 Pokémon, ouais. Ça m'étonne pas que t'aies perdu la dernière fois. J'ai one shot Zorua. L'illusion est brisée. Charpenti. Ah, il a un Charpenti, j'avais oublié ça. Nodulite, Nodulite. Bizarre, il a l'air de se passer vachement mieux ton combat cette fois. Peut-être parce que j'ai un Pokémon combat. Attends, il a un Triton, il a changé sa team ou quoi? Peut-être qu'il change sa team. Hein. Peut-être son Charpenti, avant il avait. Ou alors c'était un Charpenti déjà qu'il avait? Ouais, bizarre. Pour moi, il avait un Chakripan la première fois qu'on l'avait affronté. La toute première fois, oui, mais après la deuxième. Bah, c'est la deuxième fois qu'on l'affronte. Ouais. Mais genre, à toute première fois qu'on l'a affronté, il avait un Chakripan. Après, il a peut-être dégagé. Mon judo crack, il a one shot mon chien. Oh.
Comment ça, il a one shot pont chien, t'affrontes un pont chien. Ah, et t'as l'arène. Je suis à l'arène. Reshiram. Il veut capturer les Shiram. Est-ce qu'on joue avec ou sans écran quand on nous buildera pour affronter les mecs trop cons? On joue sans. C'est le principe de la run. Sans? Oh putain, on va en chier. Bah oui. Pas drôle de jouer avec. Je me rappelle que déjà que la première fois on avait joué avec, j'ai dû me reprendre à 4 fois pour passer l'un comme l'autre. Parce que là, tu me fascines complètement. On aura une équipe bien rodée quand on arrivera à ce moment-là, de toute façon. Ouais, il faudra bien XP, quoi. On dira un Dracolos, le fossile. Oui, c'est un fossile de Dracolos. Il a dit que c'était un dragon, il a pas dit que c'était un Dracolos. Ouais, mais c'est un fossile de Dracolos. Je vais devoir aller me heal après le combat parce que... Parce que comme t'es lent, tu te fous de speed et du coup tu dois... Ouais, je prends quand même des dégâts. Plaquage! Ouais, vas-y, ça peut être une attaque au moins pour... Ah, il me donne de l'eau fraîche. 85 de puissance, plaquage dans cette... Ils ont revu à la hausse la puissance de plaquage ici. C'est énorme, 85 de puissance. Ah, je suis curieux de savoir si je tue un pont chien niveau 15 avec plaquage, on va essayer. Ouais. Élève Donald m'envoie un rat attentif. À Caraclet qui se fait son petit entraînement là sur... Attends, ça c'est un coup de pied. Un coup de pied à one shot son rat attentif. Malgré mon surnom, je n'utilise pas de ratata. J'ai pas compris. Là, il va lire tous les livres sauf le bon, hein, ce mec. Comment ça? C'est avec le premier que j'essaye, pas le deuxième. Facile, facile. Le pont chien. Ah! Il a attention comme talent, du coup, il se fait pas intimider, mon caraclé. Oui. Ça, moi, c'est pareil. Pas... Oh, le petit 522 d'XP. Oh, elle l'envoie direct son miradar. Elle est pas là pour enfiler des perles, à l'OE. Hein. Bon, bah du coup, je pense que Zébibron, je suis désolé de t'annoncer que tu vas pas gagner ce combat. En plus, il a raté KG éclair, Zébibron. Super. Oh, ça vient de Sino. Bon, et ben je voulais XP un peu Zébibron sur l'arène. Il s'est fait one shot. Deux fois devant, deux fois à gauche, deux fois derrière, une fois à droite, une fois devant, où suis-je? J'aurais envie de dire au seul endroit où je suis pas allé, quoi. Bien vu, Sherlock. Genre, là, non, mais oui, merci pour l'XP, Marus. Ponchio est envoyé par élève Coralie. Elle a trois Ponchio, cette connasse. T'es déjà au champion? Ouais, bah après le combat là, t'es arrivé à la championne. Ouais, je sais. 875! Bah, c'est marrant parce que mon attaque elle tape en deux fois, mais j'ai besoin que d'un seul coup pour tuer.
fois karaté. Drrrrrra. Bon, tu peux mettre directement karaté, il va, ouais, il va te... Oui, il va sweep, j'ai aucun doute là-dessus. Après, par contre, je sais pas s'il tank très bien. Parce que s'il se fait outspeed... Balayette, c'est quoi comme type d'attaque balayette? Oh, pas mal. On va mettre balayette à la place de point karaté. Putain, on n'est pas... Ah, c'est même meilleur que double pied pour le coup. Ouais, mais double pied, il a un intérêt, c'est que contre les Pokémon qui ont fermeté, ça peut permettre de les passer. Oui, et puis t'as un peu de crit sur les deux coups de pied. Donc en soi, ça augmente tes chances de crit. De toute façon, double pied était meilleur que point karaté. Donc... Mama! C'est type, la team plasma, ils sont venus chercher le crâne. Biologie des grues. C'est tellement pas naturel la manière dont la bibliothèque se déplace. Oh, c'est lent ça. Je suis en train de me dire que la prochaine arène, je vais en chier. C'est l'arène insecte, la troisième? Ouais. Ah oui, c'est celle avec la avec tout en ruche là qui est magnifique. Ouais, c'est cela. Du coup, comme Pokémon, tu vas choisir un fossile. Bah, je sais pas pourquoi on nous le donne quand on a ramené le crâne, c'est ça? Peut-être, ouais. Je vais prendre le fossile et je regarderai ses stats avant de me décider. Mais de toute façon, je peux pas te... Je peux pas choisir le... Mais je crois qu'il a les stats de starter, non? Ah, je sais pas, parce que le singe qu'on nous donne, il a pas les stats de starter, donc... Bah, moi, il a 15 partout en EV. Ah non, moi, il avait pas 15 partout. What? Bizarre, le mien, il avait vraiment 15 partout, pour le coup. En vrai, le Caraclé, je sens qu'il va me carry quand on va affronter le Tauros de l'autre con, là. Le Chiren? Ah, de... Comment il s'appelle? Gétis? Ouais, Gétis. Ce badge basique. Oh ouais, jusqu'au niveau 27, ça veut dire que je vais pouvoir faire voler mon Nodulite en mégalith. En mégabit. Ah, pas utiliser les animes. Vengeance, ah, y en a des dialogues. C'était vengeance, vengeance. Il y en a des putains de dialogues. Bah là, du coup, en soi, on pourrait prendre un Pokémon soit dans la zone, soit... En fait, j'aurais bien pris toute l'équipe avant Volucité, mais bon. Moi, je pensais justement que Volucité, on en aurait 4 ou 5, tu vois. Non, le but, c'est de terminer à Volucité. Ouais. On prend 5ème forcément, et à Volucité, la zone de Volucité, on arrête. Ouais. Je crois qu'avant d'avancer plus loin comme un connard, je vais aller chercher mon Flamajou parce que j'ai besoin de coups. A mon avis, il y a besoin de coups. En fait, non. La première arène nous donnait accès à coupe, donc pourquoi je pouvais utiliser Éclatroc avant d'avoir le badge? Un bug, peut-être? Ah non, je sais pourquoi. Parce que t'as battu N? Non, tout simplement parce que dans cette version, Éclatroc est une CT et pas une CS. Alors même si c'est écrit CS... Oui, tu peux regarder, ce sera écrit CS. Mais dans le jeu normal... Dans le jeu normal, dans nos Pokémon normal, Éclatroc est une CT. Je vois, je vois. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de rocher à utiliser où tu dois utiliser Éclatroc. Donc ils l'ont rajouté, ça. Je suppose qu'ils les ont rajoutés à certains endroits pour rentabiliser le fait que tu aies accès avec la troc. Je sais pas quand est-ce qu'il y a le PNJ qui permet d'oublier les CS. Si jamais tu sais, ça m'intéresse. C'est loin d'être tout proche. Le truc, c'est que si je peux pas oublier
certains trucs, ça va me saouler vite, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que le truc, c'est que là, déjà, j'ai une CS sur mon flottajou. Et si j'en mets une deuxième et que je peux pas l'oublier, que je suis coincé avec deux attaques, enfin, tu vois, ce sera un peu chiant. Ou alors, faudrait que je trouve... Bah, pire... On peut la prendre en boucle, du coup, ou pas, l'attaque éclate-roc? Ah oui, c'est une CS. Parce que du coup, en attendant, je vais prendre un deuxième caraclé et nique sa mère. Ah, du coup, c'est où qu'il faut aller? C'est à... Faut parler... Faut aller à droite? À gauche? À gauche. Ok. T'as... Dans les maisons des PNJ, y'a rien de toute façon? Non. Faut aller dans la forêt? Oui. Du coup, faut que j'éclate la roche ici, moi. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Y'avait quoi dans le dans la bol là-bas? Super potion. Elle peut marcher au plafond. Super potion. Super potion. T'as une nodulite en vrai, c'est quoi? C'est genre le caraclé. C'est le racaillou. Ah, des... C'est le racaillou de la version, de toute façon. Oh, le mascaillement, il est choupiné. Bah, il est choupiné, mais je viens de penser que c'était un putain de type sol, donc ça m'arrange pas en fait. Qu'est-ce qui est type sol? Mascaillement. T'as trouvé un mascaillement dans les herbes? Non, c'est un Pokémon de la team Plasma. Pokémon de la team écran. Oh, parce que j'ai pas tué. Ça va être full combat double du coup. Ah oui, c'est vrai, il y a une route courte et une route longue. Oh, Mascaillement a tué mon Zébibron. Et ben, on va aller faire un aller-retour pour ce pays, non? Alors, qu'est-ce qu'elles ont, les jumelles Eveline? Elles ont 4 larveillettes. Oh non, c'est des plantes? Putain, non! j'ai tourné ma tête à gauche, j'ai vu ton lead, ça m'a mis très très bien. Surtout qu'en plus il spam trancher, ben. Donc autant dire que tes deux Pokémon se font taper en même temps. Oh, un feuille à joue. Sauvage. Donc là, en soi, c'est à moi de choisir en premier mon Pokémon de prochaine zone. Ouais, c'est ça. Est-ce que je veux... MDR, il s'est fait double flinch, je suis mort. Ouais, on va voir. Je suis pas sûr de vouloir prendre. Bon, après, Eh, les feuillages, vous allez pas me péter les couilles tous les centimètres. Bon, moi, si jamais tu veux un feuillage, on les trouve facilement. Tu peux regarder les encounter slots aussi. Oh mais... J'adore la synchronisation des voix. Non. Bon, je dois me heal du coup. Infirmière, une piqûre s'il vous plaît. T'es en train de checker les bugs, voir ce que tu trouves. Y'a
Y'a un seul mec de la team plasma hein, ou y'en a plusieurs? Wow. Oh, je crois que je vais jouer ça. Tu as joué quoi? J'ai à capturer un doudou V. Et il a 30. Et celui que j'ai capturé, il a 31 d'IV vitesse. Et 24 d'attaque spé, sachant que c'est un Pokémon qui se base essentiellement sur la vitesse. Pas mal. Sa meilleure stat, la vitesse. Ah, t'es là toi. Bon, je le garde dans un coin. On va voir, on verra si je le joue. Pourquoi je me fais aggro par un pois chijon? Il devient fée en plus après, mais pour l'instant il l'est pas, il est juste plante. Il y a des fées en 5G? Non. Ah oui. Non, mais la manière dont tu l'as dit, c'était en mode il prenait en évoluant, mais je t'en vois qu'il s'y fout. Ah, la manière dont tu l'as dit. Eh, c'est bon, hein. Tu prends la kill. Ça ton père. Parce que, au cas où tu ne le saurais pas, je n'ai aucune peine. Tu me niques ma mère, c'est ça? Non, je te nique ta race. Oh non, Chlorbule! Je vais regarder ce qu'on peut trouver. Du coup, t'as dit c'est la forêt d'empoigne. On est forêt d'empoigne, mais c'est intérieur du coup. Forêt d'empoigne, Pokémon noir et blanc. Mais il y a un lieu. Alors, c'est la forêt intérieure. Non, pas la horde de l'arveillette. On n'a pas de avec le rebut dans les arbres. T'as trouvé des feuilles à joues? Moi j'en vois pas. Ouais, mais parce que tu. On est sur Pokémon, donc ils ont rajouté les feuilles à joues. Ok. Dans les hautes herbes remuantes, sinon tu peux voir feuilles à joues, flamme à joues, flotte à joues. 75% de non, mais oui. 65% de non. Oui, mais non, il n'y a pas d'herbes remuantes, ça sert à rien. Regarde pas les herbes remuantes, ça y existe pas. Ouais. Grosse racine. Ça vaut le coup d'essayer de choper un truc plante alors. Bah, c'est un peu pour ça que j'ai capturé le doudouvé quand on me l'a donné. Bon, bah, je suppose que c'est en face des mirons, hein. Il va vraiment falloir qu'il évolue, hein. Bah, j'ai vraiment... Je commence vraiment à regretter d'avoir pris des mirons dans mon équipe. On préférait prendre quoi à la place parmi ce qui est disponible? Ah, c'est le problème. Il a quoi lui dans son équipe? Un chat creepin? Pas ce qui m'arrange le plus. Oh, ça va. Venipat. Ça, c'est un truc que j'ai pas tant joué que ça, mais que je pourrais me mettre à jouer. Brutapod. Ouais, Brutapod, c'est quand même stylé comme Pokémon. Franchement, j'avais bien aimé jouer avec. J'ai un bon souvenir de Brutapod. Gamma Chuck Norris. Comment s'appelle votre Norris? Elle s'appelle Chuck Norris. Le pontchien m'a fait tir debout. Oh, le Venipat m'a empoisonné.
Ah. Ça, c'est une très grande nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vibrant, on va prendre étincelle à la place d'onde de choc. C'est tellement mieux, puisqu'il tape sur le physique. Étincelle, c'est une attaque physique? Ouais. Est-ce qu'on apprendrait pas poursuite à la place de vive attaque? Ça me parle. Une attaque normale, ça sert à rien. Donc poursuite, ça tape plus fort, non? Non, ça tape à la même puissance pour le coup. Ouais, c'est ténèbres poursuite. Oui. Donc au moins, c'est un stab plus utile. Et si le mec switch, bam. Oh, il a pas raté son attaque. C'est Bibron est mort, il s'est fait tuer. Mais ils font de la merde, ils passent une chat classe. Est-ce que c'est pas quelqu'un de la team? Ok, j'en fais trop. Ah ouais, tu vois, peut-être qu'il n'y a pas d'herbes remuantes dans PokéMMO, mais qui sont gardées les uncounter slots à l'endroit où elles sont censées être. Non, parce que en fait, les herbes remuantes, c'est des herbes normales qui des fois remuent. Trop de balle, va. Mais non, mais c'est complètement aléatoire, ça peut être n'importe quelle herbe qui devient une herbe de remuante. Ah oui, ok, je vois le genre, c'est en mode, c'est un carré d'herbe qui d'un seul coup se met à s'agiter. Ok, j'avais pas compris ça comme ça. Ah oui, au lieu de m'insulter, fils de pute. Bah, c'est la manière dont tu l'as dit aussi, ça avait l'air vachement con aussi. Bon, par contre, je vais changer, je vais mettre Miradar à la place de Caraclé, parce que Caraclé n'arrive pas à taper Venipat. C'est faible sur insecte combat ou quoi? Oh, il a point poison, ça m'a raté. Oui, j'ai eu le même problème, ça m'a tué mon Pokémon. En vrai, turbo sur Brutapod, truc de zinzin. Vraiment, le jeu est trop trop bien. Hop là, petite technique de faire morsure pour flinch parce qu'on s'est... on était pas sûr de one shot et ensuite envoyer notre attaque. La technique, j'utilise l'essai crayon de Pokémon pour qu'un Pokémon à qui c'est plus dur d'XP fasse le kill. À toi, Flotajou. Si jamais j'en trouve un dans les hautes herbes, je sais pas si j'essaie de le capturer pour avoir des meilleures stats. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je suis pas sûr. Je pense que 15 partout c'est bien. Faut que j'aille me L. Bon, ça me pétait les couilles ces Pokémon d'aller tous plus rapides que moi là. Je peux pas toujours lead dans les herbes avec un Pokémon rapide. Hein. Flotajou. Évidemment. Mon putain de Zébibron est mort quand je tombe sur un mec qui a un flotajou. Allez, hop, on te one shot avec vengeance. Tu vas vraiment le regarder les herbes là? Oh, je les esquive pas, on va dire. C'est en mode genre je passe dedans. Là, tu vas dans des herbes dans lesquelles t'es même pas censé aller pour avancer. Donc. Oh bah je fais un petit détour mais c'est en mode oh un flamajou. Bah écoute, je vais essayer de le capturer. Tu remplacerais ton flotajou? Comment ça je le remplacerais? Ou tu jouerais les deux? Jouer les deux. Vas-y, je vais jouer les trois singes, je bats les couilles. Tu veux faire ça vraiment? Pourquoi pas en vrai, ce serait rigolo. J'aurais une équipe qui serait pas très forte mais ce serait rigolo. Ah, tu pleureras pas quand tu feras 58 fois la ligue, quoi. Non, il me fait bailler. Il me fait bailler, ce con. Bah, switch. Tu dormiras pas. Il a raté le baillement ou. Ah non, ok, c'est parce que ça met pas, ça endort pas tout de suite, j'avais oublié. Avec la filet ball, du coup, va pas me servir.
va quand même pas me faire genre que Flamajou c'est un taux de capture de merde quand même. Si, les singes ont des taux de capture de merde. C'est vrai? Oui. Bon, il est rentré au deuxième coup. Alors, pressé, il a plus 10% en vitesse, moins 10 en défense, bon ça va. Ça tape aussi bien sur le physique que sur le spécial. Oui. Ah, il a des très bonnes stats en attaque et en défense, en attaque et en attaque SP, 26 de défense. Ouais, faut prendre en compte que dans le type feu, les meilleures attaques qu'il aura sera des attaques spéciales quand même. Ouais, bon, il est de toute façon, il a une bonne attaque SP, 24, c'est correct. Bon, écoute, pour l'instant, on verra, je vais voir ce que je croise et on se démerde. Ah bah, il y en a un autre. MDR. Merde, j'ai pas réveillé mon Miradar, tant pis. C'est ma Miradar ? Quand tu veux utiliser l'attaque et que tu dors, ça consomme quand même le PP? Non. Ok. Tu peux te réveiller Miradar, s'il te plaît? C'est-à-dire que pour un chien, il est en train de sweep le combat à base de charge. Ah, il m'a donné le crâne de dragon. Ok, rentrée du premier coup, ça c'est pas mal. Celui-là, il est nul. Oh là là. Oh putain, ouais, il est merguez. Un feuillage, mais c'est magnifique. C'est pour ça que je veux un Pokémon feu dans mon équipe parce que pour l'instant je passe pas les plantes. Combat c'est pas censé être faible dans plantes. Ou alors il est normal Ils sont normales les singes est... Non, il est plante. Ou alors ça a changé dans une certaine génération, mais il me semblait qu'il y a une époque où combat était faible en plantes. Y'a v'là des combats sur cette route. Oh, un flottajou. Un grand miracle. C'est moi ou en mode genre chaque bush, chaque partie a son singe à thème là. C'est une dinguerie. Juste pour pouvoir utiliser la filet ball. S'il a des bonnes stats, s'il a des stats excellentes, je pense que je swap et tant pis, ça me prendra du temps. Mais ah, il est pas bon celui-là. Oh,
Oh, ici, il y a un feu Yajou. Qu'est-ce que tu fais, toi, du coup? Ah, je retourne mail, j'ai fini la zone. Aloel a récupéré son crâne de dragon. T'as récupéré un fossile, du coup? Je pense pas. Ah, tu dis tu penses pas, c'est en mode... tu penses pas choisir un fossile ou c'est en mode tu penses pas qu'on te le donne maintenant? Les deux, mais je pense... Bah, les deux. Oh, un attentif, comme c'est mignon. Bon, on va d'abord déposer la majou dans le PC. Et pour l'instant, je vais garder Doudouvé sur moi. Je pense vraiment que je vais le jouer. En fait, j'ai des Pokémon plutôt offensifs. Et je me dis que jouer un petit Pokémon défensif, ça peut pas faire de mal. Tu considères Judokra comme un Pokémon offensif? Ouais, quand même. Bon, on nous donne pas de fossiles maintenant. Je vais mettre la grosse racine du coup sur W, parce qu'il a quand même méga sensu. La grosse race. Bah moi mon cinquième Pokémon c'est Doudouvé du coup puisqu'on n'a pas de fossile. Je joue Doudouvé. Et du coup le sixième Pokémon ce serait dans l'ancienne zone à la prochaine ville. Ou enfin et tout ce précédemment. Pardon. De quoi? J'ai pas compris ce que tu voulais dire. En gros c'est le sixième Pokémon, on pourra le choisir soit ici, soit à la prochaine ville. Bah, j'aurais préféré qu'on choisisse avant la prochaine ville parce que ça rajoute beaucoup de Pokémon qui commencent à devenir entre guillemets intéressants et c'est pas le but du défi. Oh, moi ça me va. En vrai, moi je suis chaud de jouer avec les trois singes du coup. Si on est dans cette optique là, je suis chaud de jouer avec les trois singes. Et dans ces cas là, on voit sur la route qui va tout droit plutôt que de prendre la forêt, on fait tous les dresseurs et on s'arrête là pour ce soir. Ok. Wesh, y'a. Sachant que du coup, si t'as des captures à faire, bah. Tu te fais une petite session capture XP pour rattraper un petit peu. Bon, pas besoin de monter niveau 27 sur tout le monde, hein, parce qu'il y aura encore des combats avant l'arène, je crois. Mais... Ouais, bah déjà, si j'arrive à avoir tout le monde niveau 20, 20, 21, 22, 23, ce serait déjà pas mal, quoi. Voilà, t'as compris l'idée. Bon, lui, il avait trop... Elle avait trop chauve-sourire, donc je suis content d'avoir... Oh, c'est bon, je peux avancer, ou... Arrête pas de me faire aggro par des larveillettes. Je vais tenter d'envoyer Doudouvé en combat, voir. Allez. Au moins, je sais à peu près où je dois aller pour choper ce dont j'ai besoin. Je sais à peu près... Ah, d'accord, il y a des endroits bon, où... En fait, j'ai déjà fini la zone. Super. Ah ouais. C'était Neuherbe. Neuherbe, c'est un truc qui emprisonne au combat ou c'est encore autre chose, je sais plus. Non, Neuherbe, c'est juste une attaque plante. Ouais. Elle tape à combien? C'est par rapport au poids du Pokémon. Ah oui, c'est cette attaque là. Oh ouais, en plus ça peut être grave pratique cette attaque parce que quand t'affrontes des... genre des gros sacs à merde en haut et en roche ou en sol, t'en as beaucoup. Est-ce que... l'attaque peut être stabée en mode genre le stab peut rentrer en ligne de compte avec cette attaque ou pas? Ou c'est vraiment genre des dégâts qui dépendent que du poids du Pokémon à l'adverse? Je sais pas. Je vais pas te répondre parce que j'en sais rien. Parce que si ça a un intérêt, le stab, moi je mettrais sur Foyajou du coup.
Balayette, Spoing. C'est ce dresseur là qui a 3 tritons, si tu dis pas de bêtises. T'es retourné à la zone juste avant. Bah ouais, du coup j'XP un peu mon... Celui qui a 3 tritons, c'est celui qui est en dessous des deux avec leur casque de chantier. Ouais, c'est bon, c'est toi. XP mon doudou V, puisque comme je vais pas faire de session d'XP et qu'il a du retard, le temps que tu finisses la zone avec tous les combats de dresseurs. Plus les captures. Je vais pas attendre que tu fasses tes captures, on va lancer League of Legends après. Tu dois quand même lancer le jeu pour faire une session tout seul, donc je vais pas te regarder jouer pendant un quart d'heure. On prend un petit... C'est Getty Soverit ? Non, Azuro ? C'est qui lui ? Azuro, c'est le sbire. Ah, c'est au-dessus des sbires, c'est un sage. Ah ! L'un des 7 sages. Doudou V, ça évolue avec une pierre, ça c'est chiant. C'est quoi comme pierre ? Une pierre soleil. T'as une pierre soleil et une pierre lune du coup pour évoluer ? Hein ? T'as besoin d'une pierre soleil et d'une pierre lune ? Une pierre lune ? J'ai besoin d'une pierre lune pour Mouna, c'est ça ? Ouais. Ouais, j'ai besoin d'une pierre soleil et d'une pierre lune. Moi du coup j'aurais besoin d'une pierre feu, une pierre eau et une pierre feuille. Enfin, une pierre plante. Oui. C'est trop marrant. Ah ouais, en fait si, quand tu parlais d'une capture, c'est vrai qu'il faut faire une dernière capture, parce que moi il m'en faut une aussi, il faut que je trouve quel Pokémon je veux jouer en fait. Ouais. Ah bah ça va, une pierre lune, il nous la donne maintenant. Je peux faire bouger. j'ai pas précisé, mais c'est vrai que je le savais qu'on nous donnait la pierre lune. Ça veut dire que tu peux faire évoluer ton Mouna quand tu veux. C'est quoi déjà le grain miracle ? C'est un truc qui booste la puissance des attaques plantes ? Oui, tu pourras donner ça à ton... Le feuillage ? Feuillage. Oh, alors, le chat crippant ! Par monter de niveau en 5ème gen, à quel niveau il apprend Psycho ? 37. Et Mushana ? Ah, attention, tu peux pas te faire fire grâce à ça! Mais c'est trop bien! Mushana par montée de niveau. Oh, je subis pas les flinches et je subis pas les intimidations, c'est banger! Nous du lead, go! Après, si t'as envie de revenir en arrière, hein, c'est toi qui vois si t'as besoin. Je suis en train de chercher ce que je veux. C'est quoi le type dont t'aurais besoin, tu penses ? Type O, bon, on n'a pas accès. Si. T'as Tritonde. Tritonde. Bah c'est bien, c'est très bien Tritonde. C'est quoi, je vais prendre un Tritonde. Attends, y a des herbes dans lesquelles on peut pas aller ici ? Ça va être au sol. C'est parfait en vrai Tritonde. Moi j'aurais que des types uniques dans mon équipe. Mais j'aime bien. Bah moi en soi, ce sera... Triton sera mon seul pas type unique. Après j'aurai un mono électrique, un mono combat, un mono psy, un mono normal. Et un mono cycle. En vrai, je suis pas Ouais. Ah, j'allais dire un truc, mais ouais, c'est un peu de la merde. Je suis en mode, est-ce que t'as vraiment besoin d'avoir un type eau quand t'as un type plante? Et en vrai, un peu quand même. Bah ouais, faut pas le rapport entre le type plante et le type eau. Bah, les deux permettent de gérer la roche et le sol. Ouais, mais moi je veux gérer le feu, je veux gérer... Oh, le feu, tu peux le gérer avec le sol ou la roche, mais il faut que t'en aies un des deux, quoi. Bah, c'est ça, je l'ai pas du coup. Ouais, y a pas de. Et le roche, le seul roche qu'il y a, c'est moi qui l'ai, et y'a pas d'air d'avoir Pokémon sol.
Ah, ça va être un combat de doudou V. On n'est pas prêt d'avoir terminé. Demain, on y est encore. Alors, on va switch, hein. On va pas faire combat des doudou V en mode, c'est un peu triste. En vrai, j'ai capturé un deuxième feuillage où je vais m'en servir comme ses esclaves. Ici, c'est là où j'avais trouvé des flammes à joues, du coup, je vais me mettre dans cette zone. Alors, je dis ça, je tombe. Il y avait quoi d'autre dans cette zone, du coup? On trouve Doudou avec Chlorobule, Larveillette, Colombo, Venipat, Poichijon, Chlorobule, Scobolide. Bah, l'évolution de Venipat. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Apparemment, alors... Il me marquait haute herbe au remuant, du coup je sais pas à quel point c'est vrai, mais tu peux trouver un nom, mais oui. Ah non mais oui, tu peux le trouver dans toutes les zones du jeu. C'est vrai? Bah dans toutes les zones où il y a des herbes, ouais. Puisque dès qu'il y a des herbes remuantes, c'est quasiment forcément... Non mais oui. Bon allez les monkeys. Et putain j'arrête pas de... Aïe. J'arrête pas de tomber sur des doudous depuis tout à l'heure, ça me fait ça. Ah voilà. Oh, magnifique! La mâchouille qui le laisse avec très peu de points de vie. Capturé du premier coup, c'est propre. Donc Modeste, il a de l'attaque spé en plus, mais il a de l'attaque en moins, donc ça veut dire que je le jouerai que attaque spé. Faut voir s'il a des bonnes stats d'attaque spé. Et malheureusement, non. Il a 27 attaques, 16 attaques spé, et il a une nature qui baisse son attaque au profit de son attaque spé. Bah non, du coup, c'est dommage. Le premier que j'avais était pas horrible, mais... C'était pas mal, en vrai, celui-là. En vrai, je... Faut voir, j'en sais rien. Venipat. Et Adré, au moins, tu risques pas de galérer à trouver des tiltons. Parce que ils apparaissent à 40% sur l'autre zone, si jamais, enfin quand on cherchera, si jamais t'en cherches. Ah, des tritons, tu me parles, tu m'as dit tiltons, je comprends. Ah ouais, des tritons, ouais, genre, ça se ressemble. Chlorobule. Chlorobule, c'est ça qui évolue en truc du V, je sais pas quoi, là. Non. C'est deux Pokémon différents. C'est Doudou V qui évolue en Farfadet UV. Chlorobule, il évolue en Fragile Lady, je crois. En Fragile Lady? Larveillette, c'est le truc avec l'évolution finale, c'est Manternelle, c'est ça? Syncropène. Syncropène, c'est que ça? Attends, mais c'est quoi cette attaque de zinzin? Les ondes mystérieuses blendent tous les Pokémon alentour qui sont du même type que le lanceur. Ah! Elle est là, la douille. Ça, c'est combien la puissance? 120. Sachant que l'attaque est peu efficace. C'est l'attaque Epsi? Oui. Bah, je viens de penser à un truc. C'est l'attaque à 120 de puissance. Donc quand elle est stable, elle passe à 240. Mais comme elle est peu efficace, elle repasse à 120. Du coup, t'as 120, t'as une attaque à 120 contre les Pokémon Psy. Donc ça va. Ah, mais t'inquiète, je l'ai appris, parce que force ajoutée qui tape à 20, faut aller se faire enculer. Ouais. Ah, force ajoutée, ça demande trop de setup aussi. Ok, un flamme à jouer, bon. Elle est niveau 15, donc je pense que si je fais ma chouille, je le one shot.
Donc là, on est vraiment dans un spot où, quand on en... j'en cherchais pas, je trouvais que ça, et là, pas moyen de trouver un putain de tritonde. Il est marrant, il fait que des... Tu veux la bonne blague, Vincent? Vas-y. J'ai trouvé Judocrac et Caraclé avant de trouver un triton. Alors que je cherche triton. Mais il sait faire que les fouilles, l'autre con en face, là. Paralysé. Non mais putain ta grand-mère. Problème aussi c'est que mon Miradar il a plus de PP sur Crofatal. Eh bah fais un aller-retour au centre. C'est un peu loin quand même. Hein. Bah je vais essayer de capturer avec Flotajou. Ah. Le tri-tri, le tontonde, le tritonde. En plus, pour le coup, ça peut se jouer physique et spécial. Pas mal. Exact... Il a extrêmement... Il a... Ah, d'abonné. Non, car. Pour l'instant, t'as 3 physiques. Enfin, je compte 3 physiques. Et après, le duvet mes couilles, c'est quoi? C'est spécial. Ce sera plutôt spécial, ouais. Et le cinquième, c'est quoi? Il y en a un que j'ai pas compté, mais j'ai oublié c'est lequel. Alors, j'ai Judo, Crackpon, Chien, Zeblitz. Ouais, c'est, j'ai compté ceux-là, mais l'autre, c'est lequel? Mouna. Ah oui, Mouna, donc t'aurais... ouais, ça te ferait potentiellement... Ah, t'as 2 spéciales et 3 physiques pour le moment. Du coup, ça te ferait 3 physiques, 3 spéciaux potentiellement. Oh les tritondes, soit bon, soit un bon tritonde. Prends ton niveau si tu veux, mais bon. Soit un bon tritonde. Oh la petite baie. Hop. Ok. Alors. Eh ben ce fils de putain. De tritonde et le pire énergumène de l'histoire. Il est claqué au sol. C'est technique mais je l'ai. C'est tellement pas technique en plus. Non je sais. Pour le plaisir de dire que c'est technique. C'est à quelle zone que t'as beaucoup vu de feuillage ou? Au tout début de la forêt. Ok. Parce que la dernière fois j'avais tombé, j'étais tombé sur des feuillages joues dans cette zone, mais... Enfin sur un feuillage. C'est à quel endroit précisément? C'est en haut, en bas? En bas, je vais en trouver plein. Ouais, là où c'était ça. Pour la gauche, si je veux être précis. Ok. Là, j'ai trouvé un flamme à joue. J'en avais même pas vu. Du coup, tu cherches lesquels, là? Les deux. Les deux? En vrai, comme du coup, moi je ferai pas de session d'XP, je suis sûr que dès que j'ai trouvé mon tritonde, on s'arrête là pour le coup. Ok. Pour aller faire un peu de League of Legends. T'as fait tous les dresseurs à droite? Oh, ça a du tout. Je suis trop con, j'aurais dû faire ça avant. Les trolls. De quoi faire ça avant? Bah, j'ai fait pistolet à eau en mode genre, vas-y, à coup de morsure, ça va être trop long, bah du coup, je vais tuer. Tout à l'heure, je m'étais promené ici dans les carrés d'herbe, j'avais pas trouvé de singe dans ces carrés d'herbe là. J'avais trouvé que des plantes ou des insectes de merde là. Genre wow. Comme ça par exemple. Mais il a vraiment. Quoi? Ah la bonne blague. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, il a fait projection le. Le judo crack et. Il a baisé mon. Mon doudoué, et en plus il a envoyé le tritonde que j'avais capturé à un HP au combat. C'était
très con. Vas-y, je tombe que sur des... Enfin, sur des... Ok, un singe, un flottage. Ça va pas m'aider de fou. Le fait que les chouilles ça paralyse, ça me foudroie vraiment. Wow. Il apprend ébullition là, mon flottageau au niveau 22, pas mal. Moi, tu peux le temps de regarder toutes les stats de l'autre. L'autre il a des stats de fou, sauf en attaque spé. Regarde-moi ça. Tu peux pas le jouer autre chose que attaque spé. Bah, je peux le jouer en attaque, tu me diras, mais. Oh, une Beratam. Et regarde ses statistiques à l'autre. Ah, il est propre. En vrai, il me donne envie de le jouer physique. Ah. Regarde ce qu'il apprend en CTCS, par exemple. Parce qu'en plus, il a une nature qui booste son attaque. En vrai, ça s'étudie de fou. Ouais, hein. Je pense que tu dois envisager. Hein. En plus, si tu prends feu et plante, tu peux jouer feu et plante sur le spécial. Donc, t'en aurais un qui joue sur le physique. Ça serait un peu plus équilibré. C'est flow tout temps, du coup. Ouais. Alors, flow tout temps... Pourquoi il me donne pas les CT et CS? Mais c'est moi ou genre les Pokémon de cette génération ils sont buggés avec noir et blanc? Je vais aller sur un autre site que Poképédia, je vais sur Pokébip. Attaque. Donc attaque apprise par CT et CS. Bah de toute façon il y a Cascade qui est une bonne attaque, je crois, en physique. Cascade, ça a combien de puissance? Je suis pas sûr qu'on ait cascade dans cette génération. On n'a pas cascade dans cette génération. Par move tutor, c'est quoi Erdo? Erdo. Ok, bon, ça c'est un truc dont on s'en bat les couilles. Hydro queue, ça a 90 de précision, c'est pas dingue. Bah, c'est la meilleure attaque au physique, quasiment. Ouais. Il peut apprendre surpuissance. Ouais, ça je savais. Il peut apprendre queue de fer, mais ça. Bon, ça n'a pas de précision quoi. Il peut apprendre exécution. Attaque ténèbres à 80 de puissance physique. Détricanon. Ah, c'est, pardon, ça a que 80 de précision. Il peut apprendre. Ouais, ça sent. Ouais, c'est par mettre des capacités, ça, ils disent aussi, donc je sais pas comment ça se passe. Ouais, non, tu pourras pas l'avoir facilement. Alors, en CTCS... Après, si la CT, elle existe, tu pourrais. Bon, il peut apprendre nœud herbe. Bon, ça, à la limite, on s'en bat les couilles. Il peut apprendre griffe ombre, qui est pas dégueu. Larcin, qui a 60 de puissance. Ah, apparemment, il peut apprendre cascade par CTCS. Donc, s'ils le mettent, c'est que on l'a peut-être, du coup. On a peut-être la CT cascade, tu me diras. C'est pas impossible. Il marque CT 98, donc peut-être ouais, qu'on l'a en CT. Il peut apprendre vol, mais quoi? Ah non, pardon, c'est acrobatie. J'ai lu vol, mais trop vite. Je veux dire, tu fulmines là, tu. Ouais, c'est attaque vol, mais j'ai lu vol trop vite, genre j'ai lu trop vite. Ouais, en vrai, ça s'envisage de fou, genre vraiment. Ouais, vas-y, tu sais quoi, je le tente. Alors, vaut mieux le savoir maintenant avant de de continuer d'XP celui qui est dans ton équipe, quoi. Bon là, du coup, je vais aller au PC.
Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je viens de trouver un triton. 31 IV attaque, 31 IV défense. Il a une nature plus attaque, moins attaque spé. Ok, bah du coup, faut que je le joue physique, ce triton. C'est un peu dommage, mais bon. Vas-y, non, il est trop dingus pour que je le joue pas. Bon, bah j'ai toute mon équipe. Je rattraperai le retard d'XP plus tard, moi, de mon côté. W, triton, il faudra que j'arrive à le mettre un peu d'XP. T'as pas besoin d'XP tant que ça pour pas être en retard sur moi, si tu veux, ça va. J'ai 3 Pokémon, pas niveau 20 encore. Bon bah du coup j'ai un flottajou qui va me servir de ses esclaves. Hein. C'est un bon ses esclaves, il peut apprendre surf. Ouais, Judokra qui peut apprendre Neuer. Pourquoi? Pose pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Bon bah c'est parti sur Ligo Légende. Ah bah je lance mon client et je vais faire comme hier, c'est-à-dire que je vais profiter de tant qu'on n'est pas en game pour essayer de trouver un truc ou deux. Le problème c'est qu'il faudrait que je trouve une zone pour XP facilement triton. Ouais, je vais faire pareil, tant qu'on est pas en game je vais XP. Hein. Le pire si on se fait chier dessus en lane, je continue. Oh, ging ging ging, d'où tu vas, tu casses les... Alors tu lances ton client ? Eh il est lancé, t'inquiète. Oh le misclic de zinzin. Ah je suis comme barre de baiser. Vas-y je vais l'admirer à Darf, mais ça meurt. Du coup je suis émeraude 2. En solo queue. Suite à cette game de merde qu'on a fait. Parce qu'en plus t'as promo sur cette game, pas mérité. On avait perdu celle d'avant où on s'était fait turbo in pour notre hiver. Nous on avait, j'avais perdu 9 LP, j'étais à 80 LP, j'ai fait genre plus 23. Je pense qu'il y a de fortes chances que je rejoue une game de Rumble parce que j'ai trop kiffé jouer Rumble. Depuis que j'ai vu le roi du Hint jouer Rumble Sup encore aujourd'hui, je me dis pourquoi Lee pas Sang. Moi. Oui. J'aurais vu la game où ils ont gagné Vitality où ils jouaient Rumble. En fait, ils faisaient des trucs, ils faisaient des fights de fou avec des bons ultis et tout. Derrière, il se fait catch comme de la merde. Non, non, non. Genre, il fait des catchs de fou et tout. Et il meurt parce qu'il tanque la wave comme un enculé. Je sais pas pourquoi il tanque la wave au niveau 15 où il devrait même pas se prendre de dégâts. Il tanque une wave complète avec 3 HP. Tu vois déjà qu'il va mourir en faisant son move de con. C'était exceptionnel. Putain, je suis allé au centre, j'ai pas racheté de ball. Ah, ça c'est con, pas. De toute façon, j'aurai le temps de le faire la prochaine fois. Alors j'ai un de capturer un flamme à joue. Aucune modification des statistiques, ouais t'as raison, il est bizarre. Il est pas mal. Il est bien. Est-ce qu'il est mieux que le celui-là ou pas? Et pour toi c'est lequel le meilleur des deux? Le premier je dirais quoi. Enfin celui à gauche. Ouais. Oui, celui à gauche est meilleur. La vitesse change pas assez pour que ce soit value.